Donc on est à Ligron, donc juste à côté de Thouars. Nous sommes un complexe de loisirs ouvert à tous. Donc spécialisé dans l'airsoft, le speedsoft, le laser game, le gel blaster et donc pour 2023 aussi avec l'ouverture d'un Zouzou Park pour les plus jeunes. Donc le laser game c'est du laser game comme tout le monde connaît. La différence chez nous c'est que c'est du laser donc type tag, donc ça fonctionne de jour comme de nuit. On peut faire jouer les enfants à partir de 6 ans, ça fonctionne très simplement avec un casque qu'on adapte à la tête du joueur et un fusil qui est relié avec le système sans fil au casque. Ça permet d'avoir des parties un peu immersives, de commencer un peu à ce côté jeu de rôle, jeu de combat et ainsi de suite, et de s'amuser en famille à partir de 6 ans. Ensuite, on a l'option donc le gel blaster, donc qui lui, pareil, est accessible à partir de 8 ans. Là, c'est des petites billes d'eau, c'est souvent comparé aux orbis, ce qu'on peut avoir dans la composition florale, donc c'est des petites billes d'eau ou quoi que ce soit. En termes d'impact, c'est quasiment pas douloureux, on peut se tirer dans la main directement à bout touchant, sans aucun problème de douleur ou quoi que ce soit. À l'impact, la bille éclate directement et donc va avoir une sensation un peu de fraîcheur. Et là, donc à partir de 8 ans, on peut y accéder avec les enfants, donc on peut y jouer en famille ou quoi que ce soit. Il y a juste le port d'un masque et le pistolet. Et chez nous, bah, pareil, tout ce qui est système de munitions, c'est toujours un système illimité. On ne fonctionne pas à la recharge, on fonctionne vraiment au temps de jeu. Donc après, on a l'airsoft pour les mineurs. L'airsoft pour les mineurs, donc c'est des répliques basse puissance à 0,07 joules pour respecter en fait, la législation française. On est sur des répliques donc basse puissance qui sont accessibles aux enfants à partir de 10 ans. L'airsoft, en fait, on va arriver plutôt sur des scénarios typés comme les jeux vidéo, où c'est que là, on va proposer aux jeunes d'avoir ce qu'ils vivent dans leurs jeux vidéo. C'est vraiment le jeu vidéo grandeur nature. Et on a même donc un créneau rien que pour les mineurs le samedi matin, une fois par mois, où c'est que là, il y a un créneau que pour les jeunes. Et où tu peux être tout seul, tu viens, et tu sais qu'il y a d'autres jeunes qui sont mineurs aussi et qui vont jouer de ça. Ça évite de devoir trouver obligatoirement 3 ou 4 copains pour aller jouer une partie. Quoi. Et ensuite, on a l'airsoft pour les majeurs. Donc l'airsoft majeur, donc c'est la même chose que l'airsoft mineur, sauf que les répliques sont un peu plus puissantes. On est aux alentours de 1 joule en termes de puissance. On va penser à réserver au moins 24 heures avant, dire ben, je viens demain, on est temps, on donne un créneau. Pour toutes les activités, on ne mélange pas les groupes, de manière à ce que garder l'équité. Donc on a aussi du speedsoft. Le speedsoft, c'est vraiment la version compétitive de l'airsoft, où c'est que là, on a l'avantage d'avoir un des terrains homologués en France pour tout ce qui est compétition nationale et européenne. Donc le speedsoft, c'est assez simple. On a 5 joueurs d'un côté, 5 joueurs de l'autre. L'objectif est simple, récupérer le drapeau qui pend au milieu et l'emmener sur le mur du camp adverse. On est vraiment sur une compétition ou un sport qui a, on va dire, 3 atouts premiers. Le premier, ça va être la stratégie, s'organiser avant de partir, qui va où, qui fait quoi. Le deuxième volet, ça va être la partie communication, parce que forcément, quand on est caché à un module, la vision du terrain, c'est nos camarades qui nous la donnent. Et la troisième, c'est le côté effort sportif. Il faut aller vite d'un côté et de l'autre, récupérer un drapeau, communiquer ensemble pour aller le mettre sur le mur adverse. Donc là, on est vraiment dans le côté fun, le côté compétition. Les compétitions chez nous sont déjà toutes diffusées en direct, en live stream, de manière à ce qu'ils puissent suivre soit via Twitch, soit via Facebook, soit via YouTube, parce que l'intérêt, c'est vraiment d'ouvrir le loisir. Et c'est là, en fait, la difficulté pour nous, c'est qu'on est sur un loisir qui n'est pas connu en France ou peu connu. Comme je disais, le bon exemple, c'est ce qu'on a pu faire au mois de juin. Le mois de juin, tu accueilles 200 personnes compétiteurs sur 3 jours, 1400 visiteurs sur 3 jours aussi. Je rappelle qu'on est à Thouars, hein. Donc 1300 visiteurs qui arrivent des quatre coins de la France pour une compétition, qui viennent s'installer dans les gradins, qui viennent supporter leurs équipes et de ça. En termes de viewers, pareil, c'est un peu plus de 200-300 viewers en direct qui suivent les compétitions avec. On est obligé d'avoir 2 commentateurs sportifs pour qu'il y ait un vrai échange, de manière à vraiment faire découvrir la discipline et emmener les gens dans notre univers. Pour le rendre accessible, il faut se mettre au niveau de tout le monde. Donc nos commentateurs ont des termes techniques, mais à chaque fois qu'il y a un terme technique, là il va faire par exemple, il va faire un Superman. Qu'est-ce que c'est Superman? C'est le fait de jeter au sol, d'aller glisser. Il y a tous ces trucs-là qu'il faut ouvrir au grand public et avec la fabrique, là ici, on essaie vraiment de se dire il faut maintenant ouvrir le loisir. On le voit avec les entreprises, quand on est une entreprise qui cherche une activité pour fédérer, pour passer un bon moment avec ses collaborateurs, pour pouvoir faire une activité sympathique. Le speedsoft, c'est le plus simple à mettre en place. C'est là où forcément l'esprit de compétition est démultiplié par 100 et que personne n'a envie de perdre contre son chef de service ou contre son collègue. Et en plus, pour le speedsoft, ça triche pas. Une équipe qui ne communique pas ou qui n'a pas de cohésion, ça ne fonctionne pas. Donc le côté cohésion, communication, il est mis au maximum pour pouvoir fonctionner. Événements grand public, en général, donc c'est soit on fait des soirées à thème, c'est-à-dire qu'on a un thème précis, on annonce une soirée, on avait fait des soirées Halloween, on avait fait Escape Game, donc on propose des soirées comme ça, on va essayer en 2023 de forcer la chose, parce que y a une vraie demande sur le Thouars 7 d'avoir des activités en famille, d'avoir des activités entre amis, comment aller s'occuper autres. Et on adapte pareil, toujours le niveau de jeu par rapport au client. Quand t'as 6 ans, t'as pas les mêmes attentes qu'un gars de 25 ans, que d'un papa de 50 ans. Là, on a une offre pour les anniversaires, donc qui permet aux gens de se retrouver, de fêter l'anniversaire ici sur place.
Il y a un petit coin où ils peuvent se poser pour manger le gâteau, boire un coup et tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a des formules directement dédiées pour les enterrements vie de garçon, vie de jeune fille, avec souvent déguisement aussi possible d'acheter sur place. On a un magnifique déguisement de lapin géant. Et après, pour les entreprises, on a des offres plutôt typées séminaires, où c'est pareil, on a une petite salle qui peut être salle de réunion, qui permet d'avoir une activité juste derrière, avec un écran s'il y a besoin de voir des chiffres ou du machin, avec une sonorisation aussi qu'on peut mettre à disposition si besoin. Team building, c'est pareil, on fait aussi tout ce qui est team building. On a des scénarios vraiment dédiés au côté cohésion, esprit d'équipe, cohésion de groupe et de ça. Ils ont besoin de faire une partie pour renforcer les liens entre un tel et un tel ou autre, on s'adapte. On fait aussi pour les associations, parce qu'on travaille aussi avec les associations donc sur le Torcet. On a les clubs de foot, clubs de basket, le judo et de ça. Dans le côté team building, il y a des scénarios qui permettent vraiment de faire ressortir le profil des gens. Ceux qui vont être tout feu, tout flamme, ceux qui vont paniquer du moindre truc, et ceux qui ont gardé la tête sur les épaules et qui vont être capables de driver. Et souvent, des fois, c'est des profils auxquels on ne s'attend pas et qu'on peut découvrir malheureusement que sous la pression. Donc à la Fabrique Airsoft, il y a aussi un magasin et on fait aussi bien de la vente d'accessoires, de répliques et autres. Il y a une partie atelier aussi où on fait tout ce qui est réparation. On sait vous conseiller sur vos achats ou quoi que ce soit. Il y a aussi une association donc, sur le site, la Banana Gang, qui est une association d'airsofters, speedsofters. L'intérêt de cette association, c'est elle qui encadre par exemple les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs, il y a entraînement speedsoft sur le terrain. Donc l'entraînement c'est de 20h à 22h, mais pendant 2h vous êtes encadré, vous êtes coaché aussi bien sur la stratégie, le jeu, qui encadre les parties, qui vérifie que les règles sont bien respectées, que tout le monde joue bien le jeu. Il faut rappeler que tout ce qui est airsoft, speedsoft, toutes ces disciplines-là, fonctionnent entièrement sur le fair play. On n'a pas de tâche de peinture et de ça, on prend une bille, c'est au joueur de se déclarer out. Donc les marshals ont cette un peu activité-là aussi le dimanche, d'encadrer les parties, de vérifier que tout le monde respecte bien les règles et que tout se passe bien pour tout le monde. Avec la Banana Gang, on forme les joueurs, on forme aussi à l'arbitrage, à l'encadrement. Un bon joueur, c'est aussi savoir et jouer et aussi encadrer une partie correctement. Quand tu as les deux visions, en fait, tu es vraiment un joueur complet, alors que quand tu es que joueur, tu vois que toujours ton point de vue de devoir gagner, essayer de faire des points et de ça. Nous, on accueille à partir de 10 ans en location. On a des jeunes, on va dire les plus jeunes, ont 16 ans pour découvrir le milieu compétitif. Donc eux commencent à partir de 16 ans pour tout ce qui est speedsoft, compétitif, quoi que ce soit. Mais pareil, c'est assez réglementé dans le sens où on n'est pas sur une réplique, on est sur un lanceur de billes. Un cadre législatif en France qui est assez ferme là-dessus. Et on ne peut pas faire jouer n'importe qui, n'importe comment. Le but pour nous, c'est vraiment de former les jeunes, de leur faire découvrir l'univers de la compétition. On a l'avantage d'être en France au début. On est au début de la compétition, on est au début du speedsoft. Le speedsoft en Europe, c'est depuis 2016-2017 que ça existe aux Pays-Bas. On est au tout début, vraiment du début de la compète, de l'univers qui commence à éclore en France, de l'intérêt pour les Français par rapport à cette discipline. On voit bien la différence entre une équipe qui a accès à un terrain et qui s'entraîne régulièrement et une équipe qui va s'entraîner une fois par mois, de temps en temps avec les copains. Nos petits jeunes aujourd'hui qui s'entraînent tous les mercredis soirs, ils ont commencé les compétitions nationales cette année. Ils ont 7-8 mois d'entraînement. Et pourtant, ils sont, on va dire, en 3v3, ils peuvent se retrouver dans le top 3 français sans aucun problème. Alors qu'il y a des vingtaines, trentaines d'équipes. C'est très encadré, très structuré. Les puissances, la tenue, la sécurité, parce qu'il y a aussi ce côté sécuritaire. Il y a tout ce côté un peu encadrement qu'on fournit aussi avec la fabrique. Ça intéresse aussi de venir le jouer dans une entreprise, entre guillemets, comme nous. L'avantage d'une entreprise, il y a un cadre. Le cadre, c'est déjà la législation, plus le cadre que vous impose l'entreprise. Nous, l'intérêt, c'est qu'on vienne s'amuser, qu'on prenne du plaisir, mais qu'on n'oublie pas les règles de sécurité.